Depuis quelques mois, on voit de plus en plus de CMO ou Chief Marketing Officer fleurir sur les réseaux. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi les missions d'un CMO? On va voir ça ensemble. Et si je te disais qu'il est possible de se former gratuitement en marketing digital? Le constat aujourd'hui, c'est que tout est chamboulé. Google, Meta, Pinterest, tout a évolué. Je m'appelle Alexia Delépine, CEO de Mavericks. Au quotidien, je gère le marketing digital de boîtes ambitieuses aussi bien en France qu'aux US. Ce qu'on propose avec la chaîne Mavericks Media, c'est de te mettre à dispo l'ensemble des connaissances et des compétences qu'on met au sein des meilleurs sites e-commerce comme Tikamoon, Motoblouse ou encore Verbodet. Si tu veux tout de suite booster ton e-commerce, la première chose à faire est sans procrastination, c'est d'aller t'abonner à la chaîne Mavericks Media et d'aller regarder ta première vidéo. Si en plus de ça tu dézoomes et que tu prends en compte le SEO, l'email marketing, l'attribution, l'analytics, tu te rends vite compte que tout est chamboulé. À ce moment-là, la grande question c'est comment est-ce que tu vas sortir ton épingle du jeu? Et pas que chez des e-commerçants, puisqu'on a aussi eu l'occasion de bosser pour des belles boîtes comme Verisure ou encore Bonduel. Au cumul, c'est plus de 70 millions d'euros de budget média qu'on gère chaque année et ça a généré plus d'un milliard de chiffres d'affaires. Et je m'appelle Maxence Anderzalmen, je suis le fondateur de l'agence Make Sense et avant ça, moi j'ai passé un peu plus de 10 ans dans le marketing digital, notamment chez Tikamoon où j'étais directeur marketing. J'ai créé le service marketing de zéro. J'ai fait passer l'entreprise de 2 à 60 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel sans aucune levée de fonds. Dans un premier temps, le CMO a un rôle de chef d'orchestre. Il rassemble les différents acteurs internes et externes autour des objectifs courts, moyens et long terme. C'est le responsable de la définition des roadmaps marketing, ces fameux plans de bataille qui peuvent évoquer des hypothèses. Tout se passe bien, tout se passe comme prévu, ou tout se passe mal. C'est le Sun Tzu de la boîte, celui qui va utiliser l'art du marketing pour parvenir à ses fins. Le CMO, il est garant qu'on n'oublie pas de consulter le client. C'est lui qui va le rappeler au board, aux autres membres de l'équipe, et il va rappeler qui sort la carte bleue à la fin du mois pour que tout le monde puisse aller s'acheter des pâtes. Le CMO, il doit être ce chef d'orchestre capable de permettre aux joueurs de triangle de s'exprimer. Il doit savoir faire naître les bonnes idées auprès de sa team et surtout faire en sorte qu'une bonne idée ne soit pas étouffée dans l'œuf. Son rôle peut aller bien au-delà de la tête du site ou des canaux marketing. Il va avoir une influence sur l'offre, sur la commercialisation et parfois même sur le prix, en lien très fort avec la finance. C'est ce qui va nous amener au deuxième point. Le CMO, c'est avant tout une personne de chiffres. Le CMO doit être à l'aise avec les chiffres, aussi bien que Hans Zimmer sur une partition. Il doit savoir définir quels sont les vrais KPI du service. On parle des indicateurs clés de performance. Le ROAS, le COS, le conversion rate, tout ça, ça doit être limpide à ses yeux. Il doit savoir quelles infos sont essentielles ou non. Et il n'a pas une seconde à perdre quand on va lui parler d'un de ses chiffres ou un de ses ratios. C'est le pilote d'avion dans son cockpit qui est capable de voir d'un seul coup d'œil quel voyant est en train de décrocher. Le CMO, ce n'est pas un simple expert du marketing. C'est aussi un très bon financier, quelqu'un capable de comprendre les taux de rabais, les marges brutes, nettes et de gérer un budget marketing lissé sur l'année. C'est un hybride entre un marketeur, un financier et un data analyst. Le but du CMO, c'est de donner un sens aux chiffres et de réussir à raconter une histoire à partir de ça. On ne parle pas des mauvais CMO qui racontent des histoires pour cacher des mauvais chiffres. On parle de ceux qui sont capables de faire de la prospective. Cette capacité à entrevoir ce qui va se passer, presque comme dans Matrix, quand Neo voit les balles arriver avant même qu'elles ne soient physiquement présentes. Et au-delà des chiffres, le CMO, c'est le garant de la vigie sur le bateau. Il doit savoir ce qui va nous attendre pour pas finir comme le Titanic qui a fini coulé par un iceberg. Et le CMO, c'est généralement lui qui va repérer toutes les bonnes idées qui arrivent sur le marché, les nouvelles technologies. Il va éviter les pièges posés par le marché. Il n'est pas seul, évidemment, mais souvent, c'est son rôle de proximité sur le terrain et cette vision long terme qui va le rendre exceptionnel. Pour vous donner un exemple, j'ai pu faire partie des premières personnes à tester Pinterest Ads en France. À l'époque, j'étais CMO ou directeur marketing de la marque Tikamoon et en fait, c'est pas de la chance si j'ai pu faire partie de ces premières personnes à tester Pinterest Ads en France. En fait, on avait remarqué qu'aux États-Unis, c'était déjà disponible. On a vu qu'au UK, c'était possible aussi. Et donc, comme on était aussi implémenté sur le marché, bah en fait, j'ai géré mes campagnes Pinterest Ads au UK depuis la France et on a tout fait pour pouvoir être parmi les bêta-testeurs de Pinterest Ads en France. Et bah, dès que c'était disponible, en fait, on a pu lancer et appuyer sur le bouton. On maîtrisait déjà. Et pour vous dire, même sur le compte français, on payait en livres sterling parce qu'en fait, c'était le meilleur moyen pour être les premiers à le tester sur le marché. Donc cette veille, cette prospective, c'est ça qui permet parfois de gagner des parts de marché et d'être précurseur sur un nouveau canal marketing. Mais ça, c'est uniquement si on a une bonne veille. Et donc, bah, le CMO, c'est celui qui est capable de mixer à la fois cette veille et de le transcrire avec des exemples concrets, des use cases qui vont s'appliquer à la boîte dans laquelle il travaille. Mais il y a un mais. Si le CMO n'est pas capable d'embarquer les autres dans ses visions, il n'arrive pas à aligner les troupes sur le champ de bataille, c'est juste un loup solitaire. Et impossible pour lui de gagner du terrain avec cette attitude. C'est quelqu'un qui voit loin, mais qui sait prendre les photos en 4K et les montrer à son équipe. C'est à la fois quelqu'un qui a l'expertise du métier et qui comprend les tenants et aboutissants, mais aussi qui est capable de manager et de mentorer son équipe pour la faire grandir. Pourquoi? Parce qu'en fait, le CMO, il peut pas être sur tous les fronts. Au plus la boîte grandit, au plus le champ de bataille, il s'agrandit aussi, et donc il a besoin d'avoir ses éclaireurs, son état-major, à droite à gauche,
et il a besoin de les manager et de les mentorer pour les faire grandir. Vous l'aurez compris, le rôle du CMO est exceptionnel. Il faut être partout à la fois et c'est un métier passionnant. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités et le CMO n'en manque pas. Pourquoi devenir CMO n'est pas donné à tout le monde ? C'est un objectif de carrière qui demande énormément de travail, d'abnégation et une capacité cognitive forte pour gérer à la fois l'émotionnel et le rationnel. Si vous voulez devenir CMO, la meilleure chose à faire, c'est de continuer à muscler vos fondamentaux. Même les plus grands bodybuilders continuent de faire travailler leurs abdos régulièrement. Pour garder la forme, la meilleure chose à faire, si ce n'est pas déjà fait, c'est de vous abonner à la chaîne Mavericks Media et de muscler votre email marketing, par exemple avec la vidéo qui s'affiche maintenant. On se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo. En attendant, abonnez-vous!